Bonjour à tous et bienvenue donc sur notre nouvel épisode d'Europa Universalis 4 en multiplayer. Donc je suis avec les Girac en mode on défonce tout. Oui. Voilà. Donc on en était où? Les Girac attend la fin de sa régence. Qu'on attend depuis une demi-heure, que je lui ai demandé de... Ça te dirait pas qu'on déclare la guerre? Ah bien, du karma. Ça te dirait pas qu'on déclare... Alors là, je gagne du karma, je gagne moins 50 de local autonomie, et je sais plus ce que j'ai gagné d'autre. Ah bah j'apprends. Encore 3 ans. Encore 3 ans. 3 ans. Plus de courage. 3 ans. Ah putain, bon, on va déclencher la guerre. Et moi, ça, j'aurais fini ma guerre d'ici là, c'est parfait. D'ailleurs, je vais arrêter l'entretien de mes forts, qui ne me sert à rien, parce que la guerre, bah en fait, il a oublié de venir avec ses armées. Le mec, j'ai fait un coup. Bonjour, il est où ton Unius? Là, pourquoi? Paf! La péter. Donc, dans deux niveaux technologiques, j'ai ma prochaine idée. Et je vais prendre du... je vais l'orienter vers la colonisation. C'est laquelle on a dit qu'il fallait? C'est l'exploration. Bah, ça tombe bien, c'est de la diplomatique. Ouais, mais j'aurais bien pris. Bon, bah c'est pas grave, on prendra de l'exploration. Je vais me faire les îles aux épices, l'Australie et Rush Optique. Ça va être Rush vers l'Amérique du Sud, je pense. Après, ce qui pourrait être pas mal, c'est quand tu veux t'occidentaliser, c'est avoir que de la province, que de la culture acceptée. Demain, ce qui est pas de séparatiste. Mais bon, de toute façon, je te dirais, vu qu'on a deux à faire l'occidentalisation, à se soutenir mutuellement. 56. L'autre de 15% de score de guerre, je vais passer à full. Power Reparation. Ah, il y a un vassal. Et Tétoun. Là, il va pas... Ah, ça pue. Par contre, ça, j'ai peur que... Par contre, j'ai peur que si je le... Non, je vais pas le vassaliser. Je vais l'annexer et ensuite, je vais le relaiser. Parce que si je le vassalise, il va avoir, tu sais, il va être soutenu par... comme l'autre abruti. Oui, mais il faut se méfier du Ming. Hein, parce donc, que ce que je vais faire, je vais l'annexer. Et ensuite, je vais le libérer. Pourquoi je peux prendre Kachar? Ah, oui. Ah, putain! Est-ce que je peux lui faire relâcher? Ouais, libère la nation de Kachar, donne-moi toutes tes thunes. Give up claims. Bah non, surtout pas. Hop, pourquoi je peux pas? Je peux pas faire ça parce qu'il me faut du diplomatic power. Il me faut 84. Oh bon, c'est bon, je vais attendre un petit. Ah oui, parce que oui, si je l'annexe, le bestiau, ouais, t'as le Ming qui va le soutenir. What the fuck? Gendi Karma, je prends le Karma moi. Vu ce que je vais perdre là. Et comment dire? 942. Ok. Ah mais j'ai peut-être allé la cavalerie. On va se prendre Kachar. Putain. Tripura, tu veux pas me laisser passer s'il te plaît? Ce que j'évite de te faire, que j'ai pas de faire la guerre. Non, pas trait de power. Laisse-moi passer s'il te plaît, je vais aller défoncer la gueule à l'autre. J'ai foutu le leader lui. Ah oui, ouais, faut que je le diplo, faut que je le vasse, que je l'annexe. Ouais, faut que je l'annexe et que je le libère en tant que vassal. Ouh, il a général deux étoiles Orisa. C'est dans la tête les étoiles. Ouais, faut se méfier. Kachar. Ah, il accepterait. Alors attends que je vérifie bien. Tout ça, ce sera à moi. Ok. Voilà, Ava. Donc maintenant. Sur country, créer de sujet. Ava. Voilà. Bon, il a récupéré des provinces là-bas. C'est pas grave. Il va me kiffer parce que je l'ai libéré. Je me marie avec lui, comme ça il a pas de sentiment de révolte. Donc vu qu'il a pas de sentiment de révolte, il a pas envie de se libérer. C'est très bien. Par contre, je vais peut-être bouffer le patanier aussi. Je pense que je vais même le bouffer maintenant le patanier. Diplomatie. Ouais, le mariage, non. Annexe, pourquoi je peux pas l'annexer? 190, il m'aime pas encore assez, l'enculé. Hop, donc pour moi je te dirais c'est quand tu veux pour la guerre. Un peu de patience. Oh le mec, je te jure. Putain de bourgeois.
Il me... Combien de temps? En un an, allez, en un Ah an, oui. oui. Ah oui, dans ce sens-là, oui, d'accord. Je crois que c'était un peu de patience dans le sens où... Attends, je suis en train de faire quelque chose. Ah non, pas dans ce sens-là, non. Je suis pas bourge à ce point. Le mec qui vit dans le sud, moi je me méfie, hein. Hop, je suis en Bien train sûr. Donc, Quoi que je suis le bourge avec le château en Normandie qui vit dans le sud, n'importe quoi. Bah, t'as bien raison, hein. En cuit de pauvre. Ouais. 1537, dans 8 ans, j'avais fini d'annexer Patani. J'ai trop de Allez. Diplomatiques relations. Non, ah oui, Tripura. Tripura, comment dire? Diplomatie, honnêtement. L'accès militaire. On va, Ava, on s'en fout. Cancel militaire access, c'est parfait. C'est quoi ma mission en fait? Conquérir. Ah, la manpower, est-ce qu'on va essayer? Parce que je sais pas pourquoi, mais aller choper du territoire en Chine, ah, je le sens moyen. Pas du tout. Si. Mais moi, oh tiens, un truc qui est marrant, on parle de truc à la con dans ma partie avec la Savoie. Tu sais qui c'est qui me donne du pouvoir, de la puissance commerciale? Non. Il y a donc qui y a, je crois. Il y a la Bavière, qui est gros, parce que l'Autriche n'existe plus. Et surtout, j'ai la France qui me donne du pouvoir commercial et la Castille me le donnerait bien, mais en fait, il donne déjà à la France. C'est impressionnant. J'ai la plus grosse armée et tout. Tu fais ouais, gros bille. Mais il est pas mal ce mode, hein. Au début, pour éviter de blober trop vite, t'as la Oui. bureaucratie, putain. Je t'ai dit, ouais, avec Oui, 100% tu m'avais dit. de... Ah, ça pique. Ouais. Pourquoi j'ai pas d'argent? Je sais faire plein de trucs avec ma bouche, les gens. C'est ça. Tout est bon pour avoir un minimum de sous. Oh, forte maintenance et forte défense, ça on va prendre. Le Japon a été formé. Ah ouais, pas mal. Là, on s'en fout, on va garder les points, on va pas dépenser. J'ai un nouvel héritier. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai mon roi. Ah, moi t'inquiète, mes troupes, tu regardes, regarde la frontière avec l'Orissa. Oui, elles sont prêtes. Non, non, on n'est pas belliqueux. Non, 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 non. Tiens, on va quand même aller grand seigneur. Je vais entretenir mon fort. L'Orissa, il est allié avec qui? Hassan. Ah, bah Hassan, il est derrière moi. Je vais aller peut-être m'occuper. Non, on s'en branle d'Hassan. On va quand même entretenir les forts au cas où. Je pense pas qu'il y ait besoin, mais bon. C'est bon. C'est bon, je vais aller me sortir Hassan de la guerre direct. Tu m'as fait rater ma mission. Pardon. Qui était de recouvrir mes effectifs. Hop, et toi, tata, papa, viens là, toi. Tu vas pas rejoindre l'ennemi. Est-ce que je vais l'intercepter à temps? Non. Ah, ils attaquent mes vassaux. Oh, c'est trop bien. Écoute, perdez votre temps. Ah bah en fait, ces deux alliés, ils sont à côté de moi. Donc je vais m'en occuper. Hein. Oui, oui. Vas-y. Ça te dirait que je baisse la vitesse de jeu un peu? Oui. Oui, vas-y. La cavalerie, on va l'envoyer choper ça. Je vais sortir Tripura de la guerre. Et après, je sortirai à Sam. Je vais peut-être me sortir les deux. Ah, j'aime sortir les deux. Putain, j'ai encore me taper une attrition de ce Attention, il arrive sur mes troupes. Ouais, bah mes troupes sont loquées. Dès que j'ai fini là. Bouge pas, je t'envoie 10 000 hommes. Alors les 10 000 hommes, faut qu'ils arrivent. Ils sont pas pressés, j'espère. Bon, ça se passe bien cette guerre. C'est juste qu'elles sont générales 2 étoiles, c'est vrai que c'est un peu chaud quoi. T'inquiète, t'inquiète, voilà, mes hommes ils sont arrivés à temps ou pas? Ouais. Non, ils sont arrivés après. Ils sont arrivés pile à temps, mes hommes. C'est mes hommes qui t'ont fait gagner cette bataille. Bien sûr. Ça, on a dit, c'est ton territoire. Heureusement qu'il y a mes vassaux quand même. Bataille de la Delta. Ben voilà, il n'y a plus de flotte ennemie. Bon allez, je garde ma flotte, hein, on se revoit dans 6 mois. 3000, ah, il n'y a besoin que de 3000 hommes, donc là, on rassemble. On prend la cavalerie qu'on dégage.
Ça, on les met ici. On les met là-bas. La cavalerie. Ah putain, c'est vrai que ça c'est chiant par contre. Ah, j'aimerais retrouver qu'une unité fantôme. Ah, j'aime pas ça. C'est bon, j'ai une de mes armées qui est retournée au même endroit. Donc j'ai pu les fusionner. Hop, on prend la moitié de la cavalerie, on va prendre son territoire là-bas. Voilà. Et je vais te sortir Assam et Tripura de la guerre. C'est bien ça pour Tripura. Ça, je te le refile aussi. Bah voilà, les 4 provinces. Ah si, il manque la capitale et on sera bien. Ah non, non, c'est pas fini, j'ai pas vu qu'il y avait encore de la flotte. Donc je ressors ma flotte. C'est quoi tes 14 navires là? Transport ah, plus le navire lourd. Nickel. Donc Tripura. Est-ce que je regarde... Ils vont bientôt partir les bateaux parce que j'ai bientôt la capitale. À limite, honnêtement, les territoires de Tripura, je les refourguerai bien mon vassal Ava. C'est où ça? C'est Tripura, ouais, je vois ça. Tripura, ouais. Et Ava qui est en dessous. Et ouais, même, je dirais même honnêtement à Sam aussi, si on peut. Faut que je te regarde, je vais regarder vite fait l'overextension que ça fait. Non, c'est où 11, 22, 27, 30, 40, 56, 69. Ah oh, bon, théoriquement, on peut tout filer à mon vassal. Là, je vais aller là-bas. Hasard. Bah oui, j'ai plus de manpower. Trop bien ça. Hop, une idée en plus. Non, je suis con. Je vais prendre du mercenaire pour les sièges. Alors comment je peux me retrouver avec Jharkhand? Je cherche même pas à comprendre. Voilà, on a fini sa flotte. Donc par contre, merde, avec Orissa t'avance trop vite. Parce qu'il faut qu'on sorte les autres avant de la guerre. Oh non, mais de toute façon ça va juste leur détruire l'économie hein, après. Ce que je veux surtout éviter moi c'est le Call for Peace. C'est pour l'instant il n'y a pas lieu d'être. C'est bien ça, il est allié avec mes voisins. Je kiffe ma race, moi. On voit les mercenaires faire les sièges, hein. Moi, je regarde, je me touche. Merde, faut que j'envoie des renforts là-bas. Hop. Faut juste un tout petit peu d'aide pour le fort. Ouais, je vais essayer de te faire. Parce que je garde là-bas parce qu'ils sont très nombreux là-bas en fait, de l'autre côté. Donc du coup, j'envoie de l'aide de l'autre côté. Au cas où. Oh putain, l'autre il s'est fait déclarer la guerre. Putain, il s'est fait déclarer la guerre ce con d'Assam. Alors lui, pour le sortir de la guerre, on va s'amuser. Oh tant pis, on le sort pas. Bon, si on sortira, mais pour prendre les provinces, on va s'amuser quoi. Mon gazeur. Ah, attends, je vais mettre mes troupes là-bas. Je vais sortir mes troupes du siège aussi. Putain. Cette armée, celle-là, voilà, on l'enlève de là, du siège. Je vais t'envoyer ce que j'ai en rabbin pour le siège. On rassemble, on sort les unités par mercenaire. Ouais, c'est pas grave. Bouge pas, je t'envoie 3000 hommes, ça te suffira? Ouais, histoire de sortir oui. De l'attrition, ouais. Au pire, il y a Ava qui aide, donc... Ouais, mais ça te permet de sortir toi tes hommes, quoi. Assam, si tu peux le sortir de la guerre, sors-le avec le max de territoire. Attends, je vais filer les territoires à Ava.
Ouais, tout ce que tu peux lui donner à Ava, avec Assam, tu lui donnes. C'est bon? Avec Ava, avec Assam, ouais. Avec Assam, tu peux le sortir de la guerre, tu donnes tout ce que tu peux à Ava Alors, et. attends, pause. Il veut pas du tout. Ouais, parce que j'ai pas sa prix capitale, putain. Et c'est Il veut pas négocier. Fais chier. Bon, bah, dans le pire des cas, tu le demanderas à la paix globale. Dans le pire des cas, hein, si vraiment on a Oui, trop de trucs, si j'ai voilà. la place. Bon. J'ai déconné, j'ai mal géré avec Assam, parce qu'il y a Sadia qui lui a déclaré la guerre. Et ce con, il a attaqué sa capitale, j'ai pas percuté. Je nous passe en vitesse 3. Ouais. Oh, j'ai même pensé à mettre le timer. Là, je m'impressionne. Putain, le manpower, oh là là. Tiens, t'as 11 000 mecs d'Orissa qui reviennent. Ah, j'ai des rebelles à Kongou, faut que j'y aille. Vas-y, je mets mon armée pour être prêt à aider. Ah, toi tu vas à Kongou ou... Non, je vais aller. Je vais essayer d'aller. Il va essayer de libérer sa. Il va essayer de libérer sa capitale. On va bientôt pouvoir sortir Tripura de la guerre. Attends, Ok. 2 secondes, vas-y. 2 petites secondes, mets en pause si tu veux. Voilà. Voilà, Tripura, tu peux le sortir de la guerre. J'envoie mes. Ah bah tiens, j'envoie mes mercenaires là-bas, ils vont prendre la première ligne. Tu peux sortir Tripura de la guerre maintenant. J'ai filé les territoires à Ava. Je peux lui donner claque, je peux donner claque capitale, hein. C'est pas grave, c'est déjà ça. Et le fric, bien sûr, et... Putain, j'ai pas de manpower, c'est déprimant. C'est bon. Nickel. Je renvoie 6 000 mercenaires. Avec les mercenaires, je vais attaquer l'unité qu'il est en train de siéger là. Après, je te dirais, tu peux le sortir de la. Ben non, quoique, j'essaie de voir ce que tu peux sortir. Hop, on fusionne. Lui, on lui met le général. Et avec tout ça, on tape dessus. Théoriquement, on arrive avec 2 dates séparées. Très bien. Et c'est mes mercenaires qui prennent la première ligne. Voilà. Cette armée. Ouais, bah voilà, ça s'est à peu près bien passé. J'ai pas de mission. Quelle mission? Conquer Barind. C'est où ça? Barind. Non, ça je vais pas le prendre. C'est à Koch, mais c'est dans ta zone frontalière. Oh putain, il va à l'autre bout du monde, Orissa. Ah, il va se faire taper par. Il va taper sur ton vassal. Ah, il y a Assam, il a 7 000 hommes qui sont là-bas. Ah, Orissa commence à me demander la paix. Assam. Alors attends, bouge pas. Assam est sorti de la guerre. Donc, je vais aller là-bas, je reprends. C'est quand toi tu t'estimes que ça pue le Call for Peace, tu me dis, hein. Ouais, je vais attendre. Là, c'est que le premier, donc. Là, je vais prendre. Assam a signé une paix avec l'autre, donc ça fait qu'on va bientôt pouvoir le sortir de la guerre. Là, je suis en train de. On est en train de le siéger. Il a 200 hommes. Dès qu'on pète les murs, ça ira tranquillement. Oh, le problème, c'est qu'Assam, il est expat. Il peut nulle part se désexpatrier. Pour se désexpatrier, faut qu'il vienne sur son territoire. Bon, on va prendre de la locale autonomie. Ah, j'aurais peut-être dû prendre du diplomatic power. Ah, ça c'est un peu long. Ouais, c'est pas. Putain, le con! Ah, deuxième appel. Oh, la comète. Chacun son tour. Ouais, ça se balade, tu sais. Tiens,
Oula, en plus je suis en menace de disastre. Oula, vite, on va booster tout ça. Hein. Ah. Fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on fait? On se finit quand même la guerre ou pas? Sur cet épisode-là. On est grand seigneur, oui. On l'a fini. Ouais, allez. Hey, grand seigneur, après, hein. Vous voyez, on parle. Oh, alors j'ai gagné ou 300 de manpower ou un de stab, je gagnais. Hein, comment dire? Je prends. On est magnanime. Grave. Ça nous perdra, ça, cette générosité-là. Oui. Putain, encore une guerre qui m'a coûté une blinde. Enfin, pas au niveau thunes, les thunes ça va. Hein. Par contre, c'est manpower. Oh là 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 là. Peut-être commencer à faire des bâtiments de. La piste rejected, t'as bien raison. Assam, il sort bientôt. Hein. Ouais, c'est pour ça. Le siège à 56%, je file le terrain à Ava, tu lui files comme l'autre, hein. Tu files tout ce que tu peux à Ava. Tant que j'ai pas de stab. Voilà. De toute façon, t'en fous, on est en guerre en phase. On mène. Ah, voilà, c'est bon, tu peux négocier la paix avec Assam. Alors. Assam. Ça me coûte combien? 52 en diplo. Y en a un qui t'intéresse plus que d'autres? En premier, je te dirais Manipur. Ensuite, Naga. Ouais. Et ensuite. Ah putain, les deux sont bien. Assam et Darang. Mais je te dirais Assam. Parce qu'Assam est plus développé et ça me. Ouais. Ouais, parce que ça me coûte un peu de points de diplo. Ah ouais, merde. Ça, c'est vrai que c'est con. C'est pas. T'es sûr que c'est toi qui vas les payer les points de diplo? Ouais, c'est moi. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ouais, ça me coûte des points diplo. Ah. Parce qu'à Sam, du coup, ça me coûte 40 points diplo. 45. Et Darang, ça te coûte moins? 30. Ah bah, file-moi Darang, alors. Ouais, les deux prends les sous. Ouais, les deux se valent. Enfin, Assam est un petit. En fait, ça dépend. Ouais, les deux se valent. T'en as un qui est 11, l'autre qui est 17. Assam, il est 17 en développement. Mais il produit du grain là où Darang produit de la soie. Ouais, je vais prendre Darang. C'est parti. Putain, pète tes provinces riches, l'enculé qu'il a. Oh là là. Nickel. Voilà. Super, comme ça, je disbande mes mercenaires. Ça va. Et j'ai enlevé les claims aussi. Super. De Assam. Ce que je veux, c'était le bonus. Non, ça faisait des... Ouais, t'as bien raison. Ça, il te fera pas chier après. Exactly. Reinforce speed et land attrition. Bah, tiens, on va se taper une petite reinforce speed. Bah, tiens, je vais finir les idées défensives. Bah, du coup, moi, je vais faire la paix avec l'autre. Ouais. J'ai eu quoi? Diplomate plus un. Wouah, 4 diplomates. Bam. Le Khmer, c'est quand il veut qu'il. Par contre, c'est vrai que c'est con quand il a 100 comme ça. La Chine fait quelque chose, tu peux rien faire quoi. Voilà. Voilà. T'as réussi à prendre les 4 qu'on avait dit? Ouais, super. Ah non, cette guerre-là, ça aurait été une belle guerre quoi. Oui, assez calme en plus. Ouais, ouais. Il y a eu que le début où ça a, enfin, a piqué. On se comprend quoi. Oui, façon de parler. C'est beau là notre frontière le long du Bengale, je pense. Non, c'est peut-être pas le Bengale ça qui va au nord. C'est beau, belle petite frontière naturelle. Après, par contre, ce qui est chiant, c'est que là, t'as le Népal qui est en train de venir dans ton territoire. Ben, le Népal va falloir qu'on se le défonce après. Ben, je pensais l'annexe. Il a combien de développement? Népal, 102%, putain. Et là, il va prendre de l'Orissa. Bah oui, je m'attaquerai au Népal éventuellement. Le bouton, même si je prends le bouton, il vaut 6%. Il va falloir qu'on s'en occupe. Moi, je vais. Là, je suis en train d'annexer Patani. Ensuite, j'aurai Ava, Khmer. Ouais, c'est bon ça. Le problème, c'est que je peux pas intégrer. Je peux pas annexer. Faudrait que je regarde parce que c'est vrai que c'est un assez gros build quoi. Les mecs, là, ils sont soutenus. Ils m'aiment à 163. Mais ils ont encore envie de se. Il est rebellious. Ouais, ça qui est un peu con. Tu vois, il est. Alors que je regarde un truc, au niveau de ma religion, tu vois, je suis à 24 en karma, j'ai annexé Ava, et je l'ai relisé derrière, bilan Ava, il me kiffe sévère, quoi, le mec, il est à 182 de kiffage, et il a pas envie de se rebeller, alors que comme j'ai vassalisé le Khmer, ben le Khmer, il m'en veut parce que je l'ai vassalisé, et il est soutenu par le Ming, donc je pense que la vassalisation militaire vaut le coup quand t'es gros,
très gros. Par contre, la vassalisation, comme j'ai fait, où tu vassalises, ensuite tu crées un client, est plus intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il a récupéré deux provinces qu'au début, je voulais pas lui donner, quoi. Sipani et Senoui, là. Sipo et Senoui. Voilà, par contre, après, je regarde un truc. 91, 91, ça fait combien de développement, ça? Ça vaut 20. Je sais plus combien. Ouais, je sais plus où c'est. Ah, je sais pas où il est du... Ouais, de toute façon, je vais le choper lui bientôt. Ok, bon, on va arrêter l'épisode là. Yep. Donc voilà, en espérant que ça vous plaît toujours. Et voilà, on vous dit ben, à la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Ciao.